Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette, comment faire des sablés au parmesan. Pour cela, vous aurez besoin de 3 jaunes d'œufs, de 100 g de farine, donc ça c'est facultatif des graines de sésame noir, 100 g de parmesan râpé, 80 g de beurre mou, un saladier, un rouleau à pâtisserie, un emporte-pièce, du papier cuisson et du papier sulfurisé, et pour la première étape, mélangez tous les ingrédients et formez une boule de pâte homogène. Maintenant que votre boule est formée, filmez-la et mettez-la au frigo pendant une demi-heure. Maintenant que les 30 minutes sont passées, vous pouvez étaler votre pâte sous deux feuilles de papier cuisson en enlevant bien sûr le film alimentaire. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez prendre votre emporte-pièce et faire des petits cercles. Et voilà, vos sablés sont prêts. Maintenant, vous pouvez enfourner à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Ils seront excellents pour un petit apéritif.